Mais là, mais toi, il reste là, lui. Donc, il est 15h50. À 16h, début des festivités. 16h15, mise en jeu de la finale. Et c'est Madame le maire qui lancera toute de la finale. Et à tous les messages de satisfaction que je vais entendre, particulièrement dire un grand merci aux bénévoles de la poule joyeuse, ces 50 bénévoles que je demande d'applaudir encore, qui ont permis que ce championnat de France déroule ici à Colomiers dans les meilleures conditions. Je veux aussi associer à ces remerciements toutes les équipes des services de la ville qui ont, depuis plusieurs mois aussi, Jean-Claude le sait, permis que ce championnat se déroule ici à Colomiers. Nous sommes, ville de Colomiers, avec tous les adjoints qui m'entourent, particulièrement fiers et heureux. Vous me disiez, monsieur, plus de 10 000 personnes au cours de ces derniers jours ici à Colomiers pour participer à ce sport magnifique, à ce championnat de France. Et donc maintenant, nous allons attendre avec impatience la finale. Et merci encore à toutes et à tous, et vive la pétanque. Madame la maire, merci beaucoup, et puis saluer le représentant de l'État, M. Frédéric Ramé, qui est directeur régional de Jeunesse et Sport et de la cohésion sociale. C'est vous qui remettrez tout à l'heure la récompense de la présidence de la République au comité départemental vainqueur. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Juste quelques mots pour dire combien la pétanque prouve au travers de ce championnat que cette activité sportive est une véritable activité sportive. En Midi-Pyrénées, elle représente plus de 35 000 licenciés, plus de 800 clubs. Je crois que c'est un travail extraordinaire. Je voudrais en féliciter le président de la Ligue, le président du comité départemental et l'ensemble des clubs de cette région Midi-Pyrénées, et bien entendu y associer les bénévoles, parce qu'on sait bien que sans ces bénévoles, rien ne serait possible. Donc un grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette manifestation. Merci à vous. Monsieur Ramé, merci beaucoup. Les amis, merci. Eh ouais, beaucoup de travail et un bénin de préparation pour que cette manifestation soit magnifique. Voici les bénévoles de la poule joyeuse de Colomiers. C'est le champion de France, triplette 2014. Eh ouais. Regardez ça, magnifique. Quelle solidarité, l'esprit d'entreprise. Bien sûr que oui. Regardez cet être de bénévole que vous allez mentionner. Et puis saluer, c'est les champions de France, vous allez les saluer, Philippe Rouquier, Jean-Michel Ferrand, Stéphane Berthelier. Remercier également les deux garçons qui nous ont accompagnés au graphique de ce championnat de France. Vous allez remercier Michel Lalanne, c'est lui là, et Francis Ricard, là-haut. Merci les gars. Je sais que nous ne sommes pas toujours d'accord, mais je voulais vous dire, ils font un travail remarquable
et vous allez les applaudir. Vous allez remercier Madame Christine Magri, arbitre national. Monsieur Jean-Jacques Bertil, arbitre national. Monsieur Moustapha Moulaya, arbitre national. Monsieur Patrick Grillon, arbitre international. Merci également Monsieur Patrick Buja, Monsieur Pierre Garcia, Monsieur Bernard Pêche, Monsieur Alain Cosilla, Monsieur Didier Basson et Monsieur Bernard Deschenet. Les arbitres, merci beaucoup. De pétanque, la Ligue de Midi-Pyrénées et le comité de Garonne, nous sommes très heureux de vous présenter maintenant la finale des 20e championnats de France, doublette mixte, cette finale qui va opposer une équipe du Var à une formation de l'heure. Pour l'équipe du Var, Lucette. Ben oui, hein. Madame la présidente de Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Ligue. Madame Coste, venez rejoindre votre équipe, s'il vous plaît. Madame Coste, présidente de la Ligue. Pour accompagner son équipe, donc cette équipe de Provence Alpes-Côte d'Azur, comité. Il est là ? Ah, merci, monsieur le président, il est là. Il est où, monsieur le président ? Du Var, il y a beaucoup de supporters, hein ? Monsieur Jean-Pierre Noble, président du comité du Var, pour accompagner cette équipe, donc avec madame Viviane Noble, qui est la déléguée de cette équipe, vous allez accueillir Christine Saunier et Dylan Rocher. Cette équipe a été championne de France doublette mixte en 2012. Face à eux, l'équipe de l'heure, la Ligue de Haute-Normandie, sous les couleurs du club de Vernon, vous allez accueillir Johanna Gomez. Avec en délégué madame Gisèle Benoît, qui est la trésorière de la Ligue de Haute-Normandie, avec Michel Levotte pour saluer ses finalistes. Jean-Claude Dubois, Laurent Rouget, la fédération, monsieur Ramé, la direction régionale de jeunesse et sport, monsieur Alain Garcès, madame le maire, Jean-Claude, on y va. Monsieur Briançon, adjoint au sport. Monsieur Larrelli, médecin fédéral, Jean-Luc Ferronnet, directeur technique national, pour saluer et encourager ces deux équipes. Avant le coup d'envoi dans quelques instants. Les personnalités donc pour saluer ces deux équipes finalistes. Jean-Marc Gomez, Adam Gambert, Christine Saunier, Dylan Rocher. Pour attribuer la qualification, le 20e titre en doublette mixte. Et juste avant le coup d'envoi de cette finale, nous allons faire retentir la Marseillaise, s'il vous plaît.
Chopin France double mixte, Christine Sonnet, Dylan Rocher face à Jean-Luc Gomez et Alban Gomer. Amis spectateurs, merci d'être à nos côtés. On salue ces champions. On est là, Madame Le Maire. C'est parti. Alléluia. C'est la finale des 20e Chopin France double mixte. C'est parti. Thank you.
Je sais pas s'il joue pas la boule. Là. Si, mais il faut qu'il joue la boule en gagnant le point. Il joue, la, voilà. Il joue la boule, là, regarde la sortie. Il a joué à 10 mètres. Il a joué à 10 mètres. Et oui, tout à l'heure, avec l'ouverture, et continuons à se concentrer, même de temps en temps, pour l'équipe du VAR qui décolle le score. Jean-Luc Gomez, Alban Lambert mène 4 à 3. Voici la troisième mène, ça démarre fort, hein, cette finale. Thank you.
qui est fait croire rêve. Ah oui, c'est joué de la main d'Allemand Robert. Mène de 3 points. Après seulement 3 mètres de jeu, nous sommes déjà à la mi-partie. Joana Gomez, Allemand Robert mène 7 à 3 face à Christine Saunier. Ah, déjà. Mais si elle le fait vraiment bien. Et encore mieux, c'est l'entrée. Oh là 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 là. Maintenant, c'est que du bonus, ça fait quoi?
Et puis quand même, face à Dylan Rocher, que c'est une journée, c'est toujours compliqué pour un champion français. Il y a deux ans, en WTX, donc c'est compliqué toujours. Oui, on se connaît bien, je sais qu'il faut mieux tirer avec lui au début, si c'est possible, pour essayer de le faire douter. Voilà, c'est aussi bien passé, 4 points la première ligne. Oui, parce que vous êtes de la même génération, vous connaissez bien. Tu étais finaliste du Pédéli en 2010, et tout ça c'est compliqué quoi. Donc là, j'ai mis cette pression. C'est vrai, ça a aidé. Beaucoup de nationaux aussi, ça a aidé. Félicitations, à dans la mer, comme en France. Jean-Alain, on ne vient pas, on va se mettre en place. C'est la Brenda là. Ouais, mais il faudrait pas qu'il y ait la laisse.